Nous pouvons chapitre sequence and pattern part 2, septopixé arithmetic progression. Qu'est-ce ça un arithmetic progression ou un EPI? L'IN sequence code nous peut bien ajouter the same number throughout. Alors, get par exemple ici nous peut faire n plus 2 faire 3 et que nous peut add the same number, nous peut continuer ajouter 2 pour nous progress. Alors 9 plus 2, nous gagnons le prochain TM, il peut venir 11. Next, deuxième sequence aussi, il y a une arithmetic progression parce qu'il nous peut ajouter même number. Et comment ici, nous peut ajouter négative 3, ajoute négative 3, ajoute négative 3, ajoute négative 3, et 0 plus négative 3 fait négative 3. Alors, ce chiffre qui nous peut ajouter là, il est capable d'être un negative number. Ça, c'est une arithmetic progression. Quand nous progress, nous peut add the same number. Consider the following arithmetic progression, the sequence qui peut follow an arithmetic progression. Vous pouvez trouver ici, nous pouvons ajouter 2, nous pouvons aller même. Alors, il y a une notation qui est bien importante dans ce chapitre-là. Par exemple, small letter n, les représente position. Ok, par exemple, ici, première position, quand n égale 1, ça veut dire first position, nous avons 3. Et quand n égale 2, nous avons deuxième position et dans 5. Quand n égale 3, ça veut dire nous avons troisième position et dans 7. Next, c'est nth term. T représente term. Nth term. Par exemple, quand n is equal to 1, là, nous avons first term. T1 veut dire first term sur valeur 3. T2 veut dire second term sur valeur 5. T3 veut dire third term sur valeur 7. Veut dire position NTM là, nous pouvons trouver le subscript ici après T. Après valeur NTM là, nous pouvons donner après equal sign. Alors, au fin de trouver, nous avons des symboles bien importants. N, il représente position. De qui position qui TM là était première position, deuxième position, troisième position. Et TN représente nth term, premier TM 3, deuxième TM 5, troisième TM 7. Next. Nos arithmetic progression, vous pouvez trouver, nous pouvons ajouter un chiffre pareil, ça appelle ça common difference. Alors, des affaires bien importantes parce que nous pouvons servir une formule. De formule, il y a un symbole. Alors, le premier symbole qui est bien important, c'est first term. Premier terme de la sequence, nous représente par small letter E. Et de ça, l'exemple là, E lit 3. First term lit 3. Next, common difference. Ce chiffre qui nous peut continuer à ajouter là, les communs, ok, les communs, ok. Et comment on gagne sa valeur dit là, qui nous peut ajouter, nous peut aller même, nous capable prendre un terme, retirer un terme avant, les 5 retire 3 fait 2, 7 retire 5 fait 2, veut dire nous peut ajouter 2. Alors pour nous gagner 10, nous common difference, nous prend un terme, nous retire un terme avant dit. Par exemple, ici qui nous peut ajouter, nous peut ajouter 2. Comment on gagne sa chiffre 2 là? Vous pouvez bien prendre deuxième terme, retire premier terme, ou troisième terme, retire deuxième terme. Prends un terme, retire un terme avant. Vous pouvez venir connaître pas qui nous peut ajouter. Alors ici, quand nous prenons deuxième terme, retire premier terme, nous peut gagner 2. Troisième terme, retire deuxième terme, fait 2. Alors nous, common difference dit, qui chiffre nous peut continuer à ajouter, c'est 2. Consider the following arithmetic progression: 9, 4, negative 1. Alors, nous allons remplir ben information ici. Allez, nous get nth position. Nth position veut dire ben position sur ben TM. Là, get première position. First position, nous avons 9. Quand n égale 2, nous avons deuxième position. Nous avons 4. Et quand n égale 3, veut dire nous avons troisième position. Alors, T1 veut dire first term, les 9 dans nos sequence. T2 veut dire second term, les 4. Et T3 veut dire third term, ici, les négatives. 1. Alors, dans nos arithmetic progression, nous pouvons trouver, nous pouvons ajouter un chiffre pareil. Ok, valeur A, c'est first term dans nos sequence, les 9. Et common difference, comment nous gagnons? Nous prenons un terme, nous retirons un terme avant. Nous comment ici? Nous prenons 4 retirer 9, il fait négative 5. Ou, comment tu as fait ça? Tu prends T3 retirer T2. Ou prends négative 1 ou retire 4, réponse fait négative 5. Alors, au fini, connaît qui nous peut continuer à ajouter négative 5 pour nous progress dans sa sequence là. Alors, où va les 10 ici, common difference, les négative 5. Next, nous pouvons derive une formule qui est capable de faire n'importe qui thème ton envie d'une arithmetic progression. Ok, nous trouvons que small letter n représente position et que nth term ça les représente par t. Alors, first term, les t1, second term, les t2, third term, les t3. Ok, fourth term, les T4, and so on.
OK, nth term, right? N'importe qui term qui me demande dans sa sequence là, nous pourrons donner une formule pour lui. Qui formule qui n'a qui a donné toi n'importe qui term dans n'importe qui position dans arithmetic progression. Alors comment nous faire ça? Right, rappelle bien, nous te dire que first term de sequence ça nous pour représenter par small letter A et que nous pour ajouter une common difference D pour nous progress. OK. Alors ici, comment nous derive sa formule? La formule que tu peux trouver, li Tn is equal to A plus N minus 1 D. N'importe qui term ou envie. Par exemple, si on veut T2, second term. Pour gagner second term, ou besoin prendre le premier term qui nous peut représenter par A, ou peut besoin ajouter N fois D. OK? Si on prend A, ou ajoute N fois 2, ou arrive au second term. Next, pour arriver au third term, depuis first term, ou pour besoin ajouter combien coûte D? N, 2. Ou pour besoin ajouter 2 fois D. Next, pour arriver au fourth term, depuis first term, et ou besoin ajouter 3 fois D. Alors, fourth term, nous avons besoin de prendre valeur A, nous avons besoin d'ajouter 3 fois D. Si nous observons sequence là, quand il y en a 2 ici, ici, N coûte besoin d'ajouter D. Quand il y en a 3, nous avons besoin d'ajouter 2 coûte besoin d'ajouter D. Quand il y en a 4, nous avons besoin d'ajouter 3 coûte D. Alors, qui nous peut remarquer? Qui n'est pas qui t'aime, nous peut demander toi, nth term, tu prends E, tu retires, ce chiffre là, tu retires N tous les temps. Ok? Alors, N là, nous pouvons retirer N, L là, nous pouvons pas D. Alors, ça, c'est la formule qui nous dérive, qui est capable de nous donner n'importe quel terme d'une arithmetic progression. Et nous prenons l'exemple. Et nous, l'exemple, ici, nous avons une arithmetic progression. Nous décidons ça si vraiment il y a une arithmetic progression. Vous trouvez, nous pouvons ajouter 3 pour nous progresser. Alors, il y a une arithmetic progression. Si il y a une arithmetic progression, des valeurs bien importantes, vous avez valeur A qui était et valeur D qui était. Alors, ici, valeur A. Li 5, first term li 5, et que valeur D qui vous pouvez ajouter c'est 3. Ça c'est valeur D. Et que n'importe qui term qui nous envie, nth term se formule li A plus N minus 1 times D. Ok, valeur A et que valeur D ça li fixe. Nous ne pouvons pas remplacer. Alors, Tn pour venir, valeur A li 5 plus N minus 1 times D, D ici li 3. Ok, A et D ça li déjà valeur fixe. Next valeur n li varie. Tout dépend qui terme li peut demander toi. Si me demande toi 5e terme pour remplacer n par 5 pour gagner ce valeur. 7e terme pour remplacer n par 7 pour gagner ce valeur. Mais ici il demande de ma 6 terme. Alors nous vous savez même formule a plus n minus 1 times d. Ok, valeur a ici nous trouvons 5 plus valeur n. Qui terme li peut demander toi 6e terme. Alors n li représente position. Nous faisons 6 retirer n fois. Valeur d nous trouvons divine 3. Divine 5 plus 6 retiré n fait 5 fois 3. Divine 5 plus 3 fois 5 fait 15. Et 5 plus 15, nous gagnons nos réponses 20. Exemple n. Look at the following sequence. Find the 620th avec nth term de sa sequence là. Alors nous observons nos sequences. Il y en a 2, après 7, 12, 17, and so on. OK. Est-ce qu'il y a une arithmetic progression? Parce que pour servir formula, il y a une arithmetic progression. Nous trouvons la vérité, il y a une arithmetic progression. Parce que nous continuons à ajouter 5 pour nous progresser, veut dire sa sequence là, il follow et une arithmetic progression. Alors, valeur A bien important là-dedans, il 2. Valeur D ici, il 5, ce que nous pouvons continuer à ajouter. Allez, partie A, il demande find the 6th term. 6th term ou T6. Comment nous gagnons ça? Nous formule A plus N minus 1 times D. Valeur A ici, nous connaissons 2 plus N. Qui position ce terme libre devant toi? 6e position. Alors, on remplace N par 6 fois D ici, 5. Divine 2 plus 6 retirer N fait 5 fois 5. Divine 2 plus 5 fois 5 fait 25. Et 2 plus 25 fait 27. Alors, si vous progressez, soit les mêmes premiers, deuxième, troisième, quatrième, le 6e position, nous gagnons 27. Next, partie B. Find the 20th term. 20th term. Ou T20. Toujours même formule. A plus N minus 1 times D. Valeur A ici, dit 2 plus N. Qui position ce terme 0 D? 20. Alors nous refaire 20 retirer N. Fois D. Nous valeur D ici, dit 5. Divine 2 plus 20 retirer N fait 19. Et divine 19 fois 5. Alors divine 2 plus 19 fois 5 fait 95. Et 2 plus 95, nous gagnons nos réponses 97 pour partie B. Next, partie C. Find the nth term. OK, Tn. Là, le general nth term. Nous gagnons pas formule A plus N minus 1 times D.
valeur A, nous pouvons remplacer par 2 plus n minus 1 times d, valeur d ici de 5. OK, valeur n, nous pouvons remplacer parce que si nous mettons en général, n'importe qui valeur n, veut dire besoin de quitter n comme il était. Nous simplifier, comment nous pouvons simplifier ça? Nous pouvons besoin expand. Si nous expand, positive n fois 5 fait positive 5 n et positive négative n fois 5 fait négative 5. Nous simplifier, ici dans 5 n et de like term, c'est dans 2 retiré 5 qui vient négative 3. Ça, c'est réponse pour partie C. Exemple 2. Look at the following sequence 3, 10, 17, 24. Il demande common difference, 10th term, 110th term, et which term is 1403. OK. Alors, nous sequence ici les 3, 10, 17, 24, et nous continuons. OK. Est-ce qu'il y a une arithmetic progression? Nous regardons qu'il peut ajouter pour y progresser. Est-ce qu'il peut ajouter même chiffre? Oui. Il peut continuer à ajouter 7. Alors, il y a une arithmetic progression. Et s'il y a une arithmetic progression, nous sommes capables d'extraire valeur A, first term, les 3, et nous common difference D, 7. OK. Partie A. Partie A, nous demande common difference D, et common difference, c'est 7. Next, partie B, nous demande 10th term. Alors, 10th term, comment nous pouvons dire par formule, à cause d'une arithmetic progression, nous sommes capables de servir sa formule là. Valeur A, c'est 3 plus N. 10e term, nous pouvons roder, nous pouvons remplacer N par 10, fois D, 17. Alors, il y a 3 plus 10 retiré n fait 9 fois 7. Il y a 3 plus 9 fois 7 fait 63. Et 3 plus 63 fait 66. Ça, c'est partie B. Next, partie C. The 110th term. Allez, D 110. Toujours même formule. A plus n minus 1 times D. Valeur A, ici, de 3 plus n, de 110 retiré n, fois D, D 17. Alors, il y a 3 plus 110 retiré n fait 109. Fois 7. Alors, les pouvines, 109, si nous fois pas 7, divine, 763. Alors, nous fait 3 plus 763. Nos réponses peuvent 766. Next, partie D, il y a une question à part. Nous get li. Which term is 1403? Qui TM qui 1403? Premier TM, deuxième TM, cinquième TM. Lesquels TM, déjà, il peut demander position. Donc, qui position est dans sa 14, sa chiffre 1403 là? Ce position veut dire valeur n qui nous veut besoin roder ici. Alors, partie D, toujours nous vous servir même formule Tn, mais ici nous connaissons nos réponses. Alors, notre formule là avant, A plus n minus 1 times D, nous connaissons réponse à 1403. De qui position il était? Nous besoin roder ça valeur n là. Alors, nous remplaçons nos belles informations, nous valeur A de sa séquence à 3 plus n minus 1 times D. Valeur 10, 17 égale 1403. OK. Alors, 3 nous envoyons de l'autre côté. Il peut venir n minus 1 times 7 égale 1403. Retirer 3. N minus 1 times 7 vient 1400. 7 peut multiplier avec sa braquette là. Nous envoyons à droite. Il vient n minus 1 égale 1400. Divise par 7. N minus 1 vient 200. Vous trouvez que n peut venir 200 plus n. Alors, n peut venir 200n. Alors, nos réponses viennent 200n. Veut dire 200n. First term is 1403. Ça, c'est réponse pour exemple 2, ce parti D. Exemple 3, nous avons une sequence ici qui peut poser un peu de questions concernant sa sequence là. Nous observons sequence là. Nous avons 7, 16, 25, 34. Non, les mêmes. OK. Qui nous peut ajouter ici? Vous trouvez nous peut ajouter 9. Nous peut continuer à ajouter 9. Nous peut continuer à ajouter 9. Et il y a une arithmetic progression. Code valeur A, first term, les 7. Et common difference D, les 9. Allez, question, partie A. Find the 56th term. Alors, T second 6. Formule A plus N minus 1 times D. Valeur A, c'est 17 plus N minus 1, second 6 retiré N, fois D, D, les 9. Les 27 plus second 6 retiré N fait 55 fois 9. Les 27 plus, si nous faisons 55 fois 9, nous gagnons 495. Et que si nous faisons 7 plus 495, nous gagnons 502. Alors, ça c'est partie A sur réponse. Next, partie B. Find the nth term, roti n. Alors, formule dit A plus n minus 1 times D. Valeur A, nous connaissons 17 plus n. Le general ici, nous laisse n apparaître. Fois D, D dit 9. Nous simplifions 7 plus. Nous expandons ici. 9 fois n fait 9n. 9 fois négative n fait négative 9. Next, nous simplifions les 9. N, et 7 retiré 9 fait négative 2. Next, partie C. Partie C, l'India,
Which term is 898? Alors, Tn, nous formule li a plus n minus 1 times d. Li peut demander valeur n, se position. Mais valeur la, Tm la, nous connaissons valeur li besoin 898. Ok, valeur a ici nous remplacer li 7 plus n nous pour besoin roder. Fois d li 9 égale 898. Alors, vin n minus 1 times 9, vin 898. Retirer 7. N minus 1 times 9, vin 898. Si nous retirer 7, vin 891. Et n minus 1 pour égal 9, li peut multiplier n'envoyer à droite, li pour vin 891 divisé par 9. Ok, nous continuons là-haut. N minus 1 égale, si nous faisons 891, nous divisons par 9, réponse vin 99. Et valeur n pour vin 99 plus n, réponse vin 100. Alors ça c'est réponse pour partie C. Next, partie D nous arrivons. Allez, nous check partie D. Partie D. Whether, find whether 178 is a term in this sequence. C'est-à-dire qu'il peut dire quand tu peux continuer, tu peux aller même. Est-ce que 178 n'est pas un TM de sa sequence là? Allez, s'il y a un TM de sa sequence là, nous allons dire quelle position nous pouvons gagner sa TM là. Allez, partie D. Et nous savons même formule nth term, Tn. Ok, Tn nous trouvait là, nous simplifions, nous avons 9n minus 2. Alors nous avons un Tm qui nous peut envie de checker 178. Est-ce qu'il y a un Tm de sa séquence? Si il y a un Tm, nous avons besoin de valeur n en position pour lui. Alors nous solvons sa équation là, 9n égale 178 plus 2. 9n pour 178 plus 2 fait 180. Valeur n pour 180 divisé par 9, valeur n 20. Alors, il dit à toi qui 20e TM de sa séquence là, il pour 178. Nous confirmons, nous testons. Ok, nous faisons un testing. Est-ce que la vérité T20 il pour 178 et qui pour un TM de sa séquence là, nous savons une formule A plus N minus 1 times D. Valeur A ici de 7 plus N. 20e TM, nous remplace N par 20. 20 retirer N fois D, valeur D dit 9. Il pour 7 plus 20 retirer N fait 19 fois 9. Il 7 plus, nous fait 19 fois 9. Nous avons la réponse 171. Ok, divine 171. Ça veut dire 7 plus 171. Et 7 plus 171, 7 plus 171 fait 178. Alors, 178, la vérité, il y a un TM de sa séquence là. Et clip de 20e position. Alors, nous réponse c'est yes pour partie D. Next, partie E. À ça, nous checker, est-ce qu'il y a 3002 du point TM de sa séquence là? Toujours, même formule, Tn, nous simplifions, nous trouvons divine, 9n minus 2, nous pouvons équater avec 3002 pour checker si 3002 il y a un TM de sa séquence là. Alors, 9n pour égal 3002 plus 2. 9n pour égal 3002 plus 2 fait 3004. Valeur n pour vin 3004 divisé par 9. Et valeur n pour vin, si nous faisons 3004, nous divisons par 9. Réponse pour une un decimal number 333.7, il y a le même. Ok, ça c'est valeur n. Il va venir un decimal number. Mais position pas capable décimal. Quand nous causons position, pareil comme on fait les courses, un dimon n'est pas associé premier, deuxième, troisième, quatrième, mais il n'est pas associé 3.5e. Alors valeur n, une position n'est pas capable décimal. Alors, nous peut checker, est-ce que 3002 y a un TM de sa séquence ça, à cause de cette position, il peut venir un decimal number? Réponse c'est non. 3002 n'est pas un TM de sa séquence. Exemple 4, nous avons une séquence ici. Nous séquence les 212, 203, 194, 185 et qui continue. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une arithmetic progression? Ici, nous pouvons trouver qu'il nous peut ajouter négative 9 et que nous pouvons continuer à ajouter négative 9. Alors, il y a une arithmetic progression. Valeur A, first term, ici pour 212. Et valeur D, common difference, ici pour négative 9. Et question partie A, find the first term, nous avons dit 212. Partie B, find the common difference, négative 9. Partie C, bien intéressant, dit data, find the first negative term in the sequence. Alors, sa sequence, a, vu qu'il y a un shift up et diminuer, puis aller même, aller, ou pour commencer à gagner, ben, negative terms. Ça va en termes là pour négative. Valeur là, il pour négative. Là, pour l'instant, il est positif. Mais plus il pour diminuer, il pour venir moins que 0, il pour venir négative. Et qu'il peut demander sa first negative term là sur valeur. Alors, pas tu sais. Alors, nous pouvons ben TM, c'est qui pour négative. Et négative, c'est less than 0. Ben valeur qui less than 0 qui négative. Et Tn, nous gagnons par formule A plus N minus 1D, parce qu'il y a une arithmetic progression. Et Tm là, besoin less than 0.
valet ACD 212 plus n minus 1 times D, valet DCD négative 9, less than 0. Next, nous simplifions les 212. Négative 9 fois n fait négative 9n. Négative 9 fois négative n fait positive 9, ça dépend de less than 0. Nous faisons 212 plus 9, et si nous faisons 212, nous ajoutons 9, il fait 221. Alors 221, retirer 9n, il vient less than 0. Négative 9n, il vient less than 0, retire 221, fait négative 221. N pour venir plus grand qu'il, négative 221 divisé par négative 9, qui fait un sens inequality sign dans cette direction, parce qu'il nous peut diviser par un négative number, nous apprendre qui inequality sign besoin renverser. Alors n pour venir plus grand qu'il, si nous faisons 221, nous divisons par 9, ou soit négative 221 divisé par négative 9, nous pouvons répondre à un long decimal number to three significant figures, et pour venir 24.6. Alors, next, nous analyser. N in vin plus grand qui est 24.6. Alors, qui nous suppose comprendre par ça? Donc, tu peux envie de connaître qui est un terme qui est négatif, les en 0, et qui peut répondre toi. Un terme, c'est qui se position plus grand qui est 24.6. Et qui position, il besoin un whole number. Alors, qui est un whole number qui est plus grand qui est 24.6, nous prenons 25, 26, 27, etc. Veut dire, qui est un terme qui est négatif, tout un terme, c'est qui appartient à 25e position à monter. Ok, ça c'est un terme. C'est qui pour négatif. Et qui demande demande le first negative term. Mais le premier negative term là, il est pour le 25e position ou answer l'hypéro de T25. 25e term. Ok. Nous savons même formule. A plus N minus 1 times D. Valet A ici 212 plus valet N 25 retiré N fois D. Valet D négative 9. Nous simplifions pour trouver réponse pour une négative 4. Alors ça c'est first negative term de sa sequence là.